neurone. C'est le neurone de Martin. Martin. Donc, qu'est-ce qui va descendre le long du neurone de Martin? Message. Le message commun? Électrique. Électrique. Et il va partir de où? Du neurone. Oui, plus précisément. L'axone. Et sur quelle partie de l'axone? Bah, tu viens de le montrer, comment ça s'appelle? Le nœud papillon. Donc le nœud papillon, en fait, c'est un endroit qui s'appelle le cône d'émergence. Mais bien sûr, il n'y a pas de nœud papillon dans le cerveau. Alors tu vas allumer la petite lumière. Et donc le message électrique, il va descendre le long de l'axone. Allez, vas-y. Et tout doux. Super. Quand il arrive tout en bas, qu'est-ce qui se passe? Il s'éteint. Il s'éteint, vas-y. Ensuite, on a dit qu'il y avait quoi sur les terminaisons des neurones? Raphaël, tu l'avais dit. Des feux d'artifice. Comment tu vas l'appeler alors? Alors, dans le conte de Mimi, la microglie, on parlait de feux d'artifice. Et nous, ici, on va appeler ça comment? Ça s'appelle comment, ça? Des pompons. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant sur les terminaisons du neurone de Martin? Des pompons. Donc, tu choisis un pompon de la couleur que tu veux. Un seul? Oui. Donc ça, c'est un message, pas électrique, mais chimique. Donc on va le coller. Super. Vous êtes connectés maintenant. Ouais. Alors les messages chimiques, ils vont aller... Donc il va aller sur le neurone de Baptiste. Alors, qu'est-ce que vous voyez tout en haut sur les dendrites là-bas? Ça ressemble à quoi ça, ce qui est collé? Il faut aller voir de plus près. Non, c'est trop ça. Eh ben, va voir de plus près. Des perles en forme de quoi? Des tiroirs, comme on pourrait dire aussi. Des perles en forme de tube. Alors sur le neurone de... Il a qui déjà le neurone? Martin et Baptiste. Baptiste, on va coller. Des perles. Et oui. Ces perles, en fait, c'est comme des boîtes aux lettres. C'est les boîtes aux lettres qui vont réceptionner les messages. Alors normalement, chaque message ne peut pas aller dans n'importe quelle boîte aux lettres. C'est un peu comme des clés et des serrures. Il faut la bonne clé qui aille dans la bonne serrure. Donc... D'après vous, si ici on a mis un message qui est orange, de quelle couleur il faudrait mettre la boîte aux lettres? Orange. Donc il faut trouver une boîte aux lettres orange. Bah là il y a une orange. Super. Là. Vous allez vous... Super. Donc là on a la boîte aux lettres orange. Et cette boîte aux lettres, ça s'appelle comme ça, réceptionne, un récepteur. Récepteur. Et alors, dans le neurone de, rappelle-moi ton prénom. Baptiste, il va y avoir du coup... Un message. Un message de nature électrique ou chimique? Chimique. Électrique. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Mettre une perle... Mettre une petite... T'arrives pas? Bon. Ah, c'est beau. On prend la petite lampe. Il va partir de où le message électrique? Du nœud papillon. Alors vas-y. Et il va descendre le long de l'axone. L'axone, super. Ensuite, quand il arrive au bout, qu'est-ce qui se passe? On l'éteint. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Le conduit chimique. Le message chimique. Donc, choisis un message chimique. Donc là, on a un message rose. Je vais le faire. Tiens, prends. Attention. Chimique. Attention, ça va pas te coller. Voilà. Là, on a un message rose. Donc, un message chimique. Et il va aller dans quoi? Dans l'autre axone. Est-ce que c'est un axone? Une boîte aux lettres. Alors c'est le neurone de... Une boîte aux lettres de quelle couleur? Rose. Rose. Il y en a une. Super.
boîte aux lettres rose. On a la bonne clé qui va dans la bonne serrure. Comme ça, on pourra ouvrir la porte. De Charlie. Et quand le neurone de Charlie reçoit le message chimique dans sa boîte aux lettres, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un autre message. De nature électrique. Électrique, super. Donc Charlie, tu prends la petite lampe. Et on fait passer le message électrique. Parfait. Donc ça descend le long de l'axone. Ensuite, explique-nous ce que tu fais. On l'éteint. On l'éteint. Qu'est-ce qu'il va faire le message? Il va passer de l'autre neurone. Mm-hmm. Mais du coup, il est plus électrique, mais chimique. Donc on choisit un petit pompon. On va essayer de trouver des pompons qui ont des perles de bonne couleur. Rouge. Rouge. Attention. Il y a une grosse rouge. Et je vais le prendre. Attention aux doigts, les amis. Voilà. Super. Un message chimique. Donc là, on met un message rouge. Oui, c'est brûlant. Mmh. Regarde, elle me brûle, j'ai mal. Et alors, le message rouge, il va aller dans une boîte aux lettres. Quelle couleur? Rouge. Alors, Charlie, trouve une petite boîte aux lettres rouge. On en a une. Ah, super. Une grosse, là. Parfait. Et ensuite, on arrive au neurone de... Yassir, c'est ton Yassir. Neurone. Alors, oui. À toi, Yassir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le neurone de Yassir? Qu'est-ce que tu fais? Explique-nous. Bah, je le détache. Tu détaches quoi? Vous pouvez l'aider. Le message. Comment? C'est la lampe qui symbolise le message. Électrique ou chimique? Chimique. Ouais, mais d'abord il est. Alors chimique, c'est le petit pompon. Ah, il est électrique. Électrique. Il part de où le message électrique? Est-ce qu'on pompon? Alors déjà, il part de où? De la boîte aux lettres. Du nœud papillon, le cône d'émergence, et il descend le long de l'axone. Et quand il arrive au bout, On l'éteint. Et là, il va y avoir un message chimique. Donc on choisit un petit pompon. Tiens, j'ai pris un verre, on va changer un petit peu. Et le message vert, il va aller dans une boîte aux lettres verte. Comme ça, on a le système clé-serrure. Parfait. Connecté maintenant. Exactement. Et Yassir, c'est toi. C'est tiens. Une fois que le message chimique vert est allé dans la boîte aux lettres verte du neurone de Elias, qu'est-ce qui va se passer? On va le décrocher. On décroche quoi? Le message électrique, super. Vas-y. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Super. Donc le message électrique, il part de où? Du nœud papillon. Du nœud papillon. Et après, qu'est-ce que tu fais, Elias? Et il va descendre le long de l'axone. Vas-y. Parfait. Et quand il arrive au bout, On l'éteint. Et là, il va y avoir le message chimique. Oui, Madame Emeline. Parfait. Et après, la petite boîte aux lettres. De quelle couleur jaune. Je la prends? Pourquoi? Parce que c'est la couleur du produit chimique. C'est du monsieur propre, tu crois? Mais nous, super. Pas non, parce qu'on ne veut pas que vous brûliez. Alors, moi, une fois que le message chimique jaune est arrivé dans la boîte aux lettres jaune du neurone de Timothée, qu'est-ce qui va se passer? On prend la lampe à vélo. Elle représente quoi? Les messages. Les messages comment? Électriques. Électriques. Ils partent de où? Je le rebranche. Du nœud papillon et ça va descendre le long de l'axone. L'axone.
Et le message, il va passer grâce à l'aide de qui? Les oligodendrocytes. Ouais, super. Les oligodendrocytes. Donc on descend le long de l'axone. Quand on arrive au bout, on éteint la lumière. On éteint la lumière. Et ensuite, il faut un point bleu. Qui représente quoi? Chimique. Le message. Chimique. On a le message chimique. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et maintenant, une boîte aux lettres blanche. Et à quoi elle sert, la boîte aux lettres? C'est pour que ça arrive dans... Qu'est-ce qui arrive? C'est pour que ça arrive... Qu'il arrive dans... C'est une lampe de vélo. À mon neurone. Exactement. Voilà. Pour réceptionner le message. Donc on l'appelle le récepteur. On va y arriver. Récepteur. Récepteur, c'est pour la réception, exactement. Ensuite, on arrive au neurone de Raphaël. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On enlève la lampe. On enlève la lampe qui représente le message électrique. Le message électrique. Après, il part d'où, le message électrique? Du nœud papillon. Après, j'allume le message. Ouais. Il descend le long de l'axone. L'axone. Et il n'y a plus de neurone alors... Et alors après, on va boucler la boucle avec ce neurone-là. Ouais. Ah ouais. Ils peuvent se connecter. Super. Donc là, on a un grand réseau de neurones. Et après, ça va en faire le tour. Et là, ça ressemble à un réseau. C'est un réseau maintenant. Après, je mets le bouton. Ouais. De quelle couleur? Non, j'en ai pris un violet. Super. Alors, attends, on va le coller où? On le colle où? Là. Ici? Et donc, quelle est la prochaine étape si je lui ai mis un petit message chimique violet? Boîte aux lettres violettes. Et à quoi elle sert? Et je la mets où, la boîte aux lettres violettes? Non, il y en a aussi une petite. Pourquoi je la mets là? Pour que les neurones de Martin, ils reçoivent. Et comment on appelle cette partie du neurone? On va le coller? Ce sont les cheveux du neurone de Louis. Comment on les a appelés, ces cheveux? Ce sont les axones? Non, l'axone, c'était son grand bras, on avait dit. Les dents drites. Les dents drites. Super. Là, c'est bon, là, on a un réseau qui est opérationnel. Je vous félicite. Merci.